Quoi? Trop bien. Oh, oh, le curry. Allez, vas-y, super vitesse. Salut. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Lily Rose. Lily Rose. Lily Rose. Lily Rose. Oui. Lily Rose, tu te réveilles? Parce qu'aujourd'hui tu sais très bien qu'on a un 24 heures à faire. Là il y a Peppa Pig qui est en train de filmer. Regarde, c'est un petit indice, tu sais pas ce qu'on va faire. Elle est choquée, elle s'attendait pas à ça. Bon, salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si Lily Rose va être très contente de la faire, parce qu'aujourd'hui c'est un 24 heures un peu spécial. Bon allez Lily Rose, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Là tout le monde s'ennuie là, réveille-toi. Allez, si. Oh, ouais, allez, allez, et tu vas aller regarder le 24 heures du jour. Oh bah, et oh, Peppa Pig, tu veux faire le 24 heures aussi? Non, pas vraiment, je sais ce qui va lui arriver alors. Alors, non mais t'as pas deviné avec, avec cet indice magnifique? Non. Vas-y, essaie. Ça c'est des trucs pour ramasser. Ouais, c'est des trucs pour ramasser, vas-y. Alors. Essaie. Vas-y. Vas-y, attends, petit indice, regarde. Vas-y, t'as pas une idée? Non, pas du tout. Bah vas-y, tu vas tirer le comment on appelle ça, le rideau. Ah, là, okay. La couverture. Non mais sans ça, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Et tu vas vraiment devoir passer 24 heures dans ça, ok? Ok. Allez, vas-y, t'es prête? 2. Vas-y, 3. 2, 1, go! Tu vois ce que c'est? Dans un fauteuil roulant! Ouais, dans un fauteuil roulant. C'est pas n'importe quel fauteuil roulant. Attention, vas-y. Parce que là, il est aplati. Là, c'est une crêpe, là, le fauteuil roulant. Vas-y, déplate-le. Waouh! Attends, attends, par contre, à partir du moment où tu y rentres, tu y restes 24 heures. Là je le teste. Ouais, ouais, vas-y, teste-le dans la chambre. J'espère qu'il te va et tu vas devoir t'habiller aussi. Il y a un accélérateur. Non, non, laisse Lily Rose s'occuper. Attends, attends, j'essaye de... Ça va, il est pas trop grand. Donc le but c'est pas de se moquer évidemment, oui. C'est de montrer à quel point c'est compliqué parce que Lily Rose n'a jamais vécu ça. Enfin, j'ai déjà été en plâtre, en béquille, mais, Là ça n'a rien à voir quand même. Donc là, Isaïe, ce qu'on va faire, c'est ton premier défi. Oui. C'est que tu vas t'habiller déjà. Ok, bon ça on va pas le filmer, c'est pas très utile. Ouais. Et après tu resteras définitivement dans le fauteuil roulant et tu devras aller faire les courses comme ça. Directement le test de la rue. Est-ce que tu devines à quoi ça va te servir? Ah bah, oui, bah elle a deviné. Elle a deviné direct. Vas-y attends, mets-lui un truc à ramasser. Hop, un petit plot. Okay. Hop, le plot. Il y en a deux là. Allez, allez. Ouais. Oh. Oula, hey, oh. Ça, ça part déjà en cacahuète. Bon allez, c'est parti, tu t'habilles et on passe au test de la rue. Oui. Livraison de chaussettes. Livraison. Livraison de chaussettes. Les chaussettes. Bah vas-y, pose-les par terre. Laisse la faire. J'en pose une ici, j'en pose une. Allez, sur le bureau. Ouais, mais c'est trop facile sur le bureau. Non, mais par terre, allez, par terre. Ici. Oh non, elle arrive à se baisser. C'est dur. Utilise la pince au moins. Utilise la pince. L'ustensile. Utilise la pince. Allez. Attends. Vas-y. Non, mais plie la plus là. La pince elle est pliable. Allez, oui, vas-y. Ouais. Trop facile. En fait, en fauteuil roulant, tout devient compliqué. Non, c'est bien, on est à l'aise dedans. Non, mais c'est parce qu'elle a la pince. Ouais, ouais, bah on verra à la fin de la journée quand t'auras dû ramasser. Bon, normalement, on sait pas plier les jambes, mais bon. Bah, ouais, normalement, ah ouais, normalement, tu peux pas plier les jambes. Oui. C'est-à-dire que c'est Peppa Pig qui doit le faire à ta place. Non, bon. Non, non. Ah, bah non, si. Non, non, non. Tu veux pas? Ok. Mets ma chaussette, allez. Allez, mets sa chaussette. Lily Rose qui a 3 ans maintenant. Allez, vas-y, la chaussette et c'est parti. Et donc, on n'a pas de quoi déjeuner, Lily Rose. Oui. Donc, c'est toi qui vas devoir te charger de ça en allant au magasin. Non, mais tu le mets pas bien, mais regardez. Il a mal mis. Un autre défi. Tiens, vas-y, ramasse. Lily Rose qui va devenir le chien ramasseur toute la journée. Oh, bon, ça va. Elle est précise, la pince. Elle est précise. Donc, je disais, on n'a pas de petit déjeuner. Donc, tu vas devoir aller acheter des céréales, ok? Oui. Allez, let's go. Bon, par contre, on a une maison avec des escaliers. Donc, on va devoir te porter. Ah oui. Parce que. Les escaliers en fauteuil roulant, on va pas tenter, honnêtement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Une marche à la fois. Transport de Lily Rose qui va retrouver son fauteuil. Bon, pour ce coup-là, Lily Rose, elle triche pas pour ce 24 heures. Elle se laisse aller, hein, la bonne. Elle aime bien se faire porter comme ça. Si tous les matins elle pouvait se réveiller comme ça. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Parce qu'il n'y a pas de cette place, non, je descends. C'est parti. Bon, Lily Rose commence bien son expérience parce qu'elle veut se faire pousser.
Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même. Je pousse un peu. Ça va au niveau de la difficulté. Non, mais si tu le fais toute seule au niveau de la difficulté. C'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur quand même. C'est parce que t'as pas trop de force dans les bras, t'es pas habitué du tout. Regardez-moi ça avec sa petite pince. J'espère jamais te voir comme ça quand même. Oui. Attention, sur notre chemin, il y a une descente. Regardez-moi ça. Lily Rose, bon, évidemment, elle va pas le faire toute seule. Tu vas pas la faire toute seule parce que bah ça serait trop. Oh, surtout ça va, surtout ça que t'es va, pas habitué. Allez, vas-y, super vitesse. Allez, 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 dépêche-toi. Bon bah ça va, tu t'en es bien sorti quand même. Oui. C'était la petite attraction du jour. Les parcs d'attractions sont fermés, oui. Nous on fait ça. Allez, c'est parti, on est arrivé au magasin. Oui. Il est là-bas, il est juste là, donc on va pouvoir sélectionner ce qu'on va acheter pour le petit déjeuner. Désolé, il oui. y a du vent. Bon, et par contre, je pense qu'on pourra pas filmer dans le magasin malheureusement, oui. Surtout avec bah, un fauteuil. Donc bah, on oui. se retrouve tout de suite ou peut-être dans le magasin. A few moments later. Wow, wow, wow. Lily Rose a enlevé ses chaussures, elle a enlevé son manteau, elle est parmi nous. Oui. Bon, par contre, il y a un problème, c'est que le fauteuil roulant, attendez, regardez, il bouge, les roues sont pas très stables. Ouais. On a été un peu trop vite peut-être. Non, je pense, non, honnêtement, je pense pas, je pense que c'est non. juste que c'est un fauteuil. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est une notification. Tu laisses ton téléphone allumé pendant les vidéos? Ce n'est pas. Qu'est-ce que grave. C'est ça? Moi, bon, c'est pas grave. Regardez tout ce que nous avons acheté, ouais, du Kinder Surprise. Le hamster a envie de croquer tout ça, des donuts, des cafés latte de Starbucks, des moelleux au chocolat. Mais attention, là il y a un truc qui cloche. Oh là, c'est pas un déjeuner ça. Oh, ça c'est carrément un truc... repas de bébé. C'est un repas pour bébé, donc c'est un truc un peu dégueu. Hein. Et c'est pas salé du tout. Sauf que là, comme vous voyez, il y a, que de la place pour deux personnes. Il y a deux parts de ça, il y a quatre trucs comme ça, il y a deux trucs comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un d'entre nous qui va devoir manger le truc pour bébé. Et comment on va définir ça là? Bah regardez, on a pris la mystery wheel et le nom sur lequel ça va tomber, et bah c'est celui qui va devoir manger le truc pour bébé, oui hein, tout simplement. Oh là là là. Donc le 24h commence plutôt mal pour cette personne. Ouais. Surtout qu'après on va aller au McDo, oui, et cette personne pourra rien prendre non plus. Sérieux? Non, c'est une blague. Ah ouais. Allez vas-y, mais on va vraiment aller au McDo, ça c'est pas une blague. C'est moi qui tourne. Allez c'est parti, okay, go. Allez, attention. 2, 1, go, go. Allez, là c'est la personne qui ne ouais, la personne qui est sélectionnée, la personne qui est sélectionnée. Et c'est Peppa Pig. Non mais il faut que je vais devoir manger ça là. Ouais vas-y, alors c'est quoi c'est attends vas-y. Risotto au saumon. Bah allez hop, on te laisse manger ça dans ton coin. Bah ouais. Nous on va faire une belle dégustation là. Allez, t'es prête, Lily Rose? Bon, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, je te pousse. Alors, par contre, je sais pas comment tu vas manger à la table. Parce que, regardez la différence de taille entre Lily Rose et la table. Oui. Bah, en fait, elle t'arrive au front. Oui, voilà. Bon, allez, c'est non, parti. Mais... On mange? Oui. Allez, c'est parti. Oui. Bah voilà, petite technique, on a mis la chaise la chaise à côté du fauteuil. Bon, je pense que chez les gens qui sont vraiment en fauteuil roulant, c'est pas comme ça parce qu'ils ont une maison adaptée, ce qui n'est pas du tout notre cas parce qu'on a une maison qui est longue avec beaucoup d'escaliers et avec que des trucs hauts et tout. Donc c'est parti. Bon, pour moi ça va beaucoup mieux. Je vais goûter ça, on va prendre ça. Et après, je t'ai préparé une petite activité où je pense que tu vas pas mal rigoler. Tu connais les piñatas? Oui, j'adore. Tu sais ce que c'est une piñata? Oui. C'est comme un gros truc en carton et on doit taper dessus pour libérer des objets. Donc je t'ai fait une grosse surprise qui sera cachée dans une piñata. Trop hâte. Ok, et on découvre ça tout de suite. Mais tu vas devoir la taper en fauteuil roulant. Elle sera accrochée au plafond et tu devras taper dessus avec un balai. Allez, c'est parti. Bon, allez, dégustation. Ouais. Et ça a l'air trop bon. C'est trop bon. T'es sûr? Oui. T'as goûté? Oui. De retour. Avec de la retour. Pignata. Avec le premier vrai défi de la journée. Yes. Donc j'ai acheté une piñata avec à l'intérieur des vraies surprises. Oui. C'est pas vide du tout. Je sais pas si on va entendre. Oh. Attention. Ah. Ce pauvre flamant rose qui va se faire détruire, hein, clairement. Donc j'ai accroché une piñata, oui. Sauf que je vais te bander les yeux. Et tu devras taper dessus avec la béquille forcément pour découvrir la piñata. Et tout ça en fauteuil roulant. Et oh, c'est quoi cette posture là? T'es pas censé bouger les jambes là. Oups. Et en plus il faut y arriver si tu veux mériter le repas de ce midi, hein, le petit McDo. Ah oui. Et ce soir tu vas devoir cuisiner en fauteuil roulant des crêpes.
Donc cuisiner en fauteuil roulant, je pense pas que ça soit facile. Oui. Bon, allez, les amis, c'est parti. Tu auras une minute pour détruire cette piñata. Une minute. Oui, une minute, pas une de plus. Et c'est ça qui va donner un gros coup. Mais oui, je vais m'éloigner un peu parce que comme t'auras les yeux bandés, c'est un peu complexe. Oui. Alors c'est parti, tu vas pouvoir détruire la piñata. Oui. Bon, finalement, on a pris une précaution, c'est qu'elle va pas se bander les yeux. Oui. Comme elle est pas habituée. On vous conseille d'être assez prudent avec ces trucs-là. Bon, même si c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès pour être détruit. C'est une piñata, c'est vraiment ça l'objectif. Oui. Et il faut un bâton forcément pour détruire ça. Oui. Donc faites attention si vous faites ça chez vous. Par pitié, ne faites pas n'importe quoi. Oui. Faites ça en présence d'un adulte. Je suis un adulte, évidemment, j'ai 18 ans. Donc voilà, c'est parti, t'es prête? Oui. Alors fais attention quand même, hein, quand tu fais ça, ne te fais pas mal. Oui, oui, je compte sur toi. Attention. Allez, vas-y, donne pas des traits. Allez, c'est parti. Allez, en fait il faut pas taper fort, il faut juste bien viser. Hein. Alors notre pauvre piñata est très résistante, comme vous pouvez voir. Donc bon là elle est très mal en point, elle est descendue, je sais pas, ah oui il y a des nœuds qui se sont défaits sur la corde. Ouais. Et bah, en même temps on essaie de pas taper très fort, hein, oui, parce que bon on a pas envie de casser quelque chose. Ouais. Donc vas-y, et Ross qui s'assoit tout le temps. Attention, attention les meubles. Il y a des trucs, j'ai vu un truc dedans. Ah c'est bon, t'as vu un truc, bah oui il y a des cadeaux. On va recommencer. L'Iros se décourage un peu parce que le flamant rose, il est dur, il est dur, vas-y. Allez, allez, là tu es presque là, il perd la tête. Ah, bon. Bon, je pense que tu peux t'approcher pour le vider là. Je pense qu'il se cassera pas plus, il se casse. Oh non, le mur. Ah, attends, il y a un truc qui est tombé là, il y a un truc là qui est tombé. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est tombé? Alors, c'est un cadeau pour Lily Rose. Un pop-it, un deuxième pop-it. Qu'est-ce que c'est? Plein de fidget toys. Eh oui, c'est des fidget toys. Génial. C'est Lily Rose qui voulait ça, donc c'est des objets satisfaisants. Oui. J'ai rempli la piñata avec. Il y a un peu de tout. Alors montre, il est vide, ça y est. Oui, je crois, je suis pas sûre, ouais. Attends. Bon bah voilà, donc sa tête a eu raison de lui. Attends, j'ai envie de faire un truc. De quoi? Attends. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Oh, lui enlever les pattes, le pauvre. Regardez, il y a toute une collection. Donc oui, je pense qu'elle va s'amuser avec ça, mais la journée n'est pas finie. Il faut aller manger maintenant. Et après, il y aura des gros challenges qui nous attendent. Yeah. Pour d'autres cadeaux. C'est parti. Allez. Après ce petit épisode de piñata sympathique. D'ailleurs, ça t'a plu les cadeaux? Oui, c'était génial. Je suis trop contente. C'était trop bien. Bon, bah, oui, tu vas devoir rentrer toute seule dedans maintenant. Oui. Allez, ça va être super compliqué. Non, mais elle a pas le droit d'utiliser ses jambes, bien sûr. Ah. Vas-y, comment? Bah, attends, porte-la. Moi, je rentre dans la voiture. Je suis pressée de manger mon hamburger. Waouh! Voilà, wow, c'est fait. Et le fauteuil, on le met où? Bah, attends, je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller au McDrive en roulant carrément sur le truc du McDrive, tu vois, avec le fauteuil roulant. Tu vas pas être dans la voiture. Non. Tu veux pas faire ça? Non. Bon bah, on le fait pas alors, mais tu vas devoir passer ta commande et tout. Hein. Oui. Waouh, nous sommes arrivés. C'est le waouh qui te fait rire. Tu es prête toi, hein? Bah elle est prête, elle a rien à faire. Oui. Là pour le coup, le fauteuil roulant qui est dans le coffre, il est d'aucune utilité. Oui, c'est vrai. Mais t'inquiète pas, il y a des épreuves de sport cet après-midi. Oui. Et si tu gagnes, t'auras des cadeaux. Oui. Des beaux cadeaux même. Oui. Des mi-cadeaux même. Oh là là, ça promet tout bon, ça. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme défi pour Lily Rose au McDo? Je sais pas. Moi je pense qu'on va te mettre le fauteuil roulant devant et tu vas faire comme une voiture. Non. En plus c'est interdit, on va pas faire ça. Bon, on va commander, tu veux prendre quoi? Je crois que je vais prendre un triple cheese. Un triple cheese, oui. on se retrouve. Un chicken avocado, je sais pas. Un chicken avocado, carrément. Je sais pas, j'hésite entre les deux. Nous sommes rentrés. Oui. Bon, par contre, la chaise roulante n'est pas du tout adaptée à notre table. Oui. Tu passes en dessous ou au-dessus en fait? Bah ça passe là en dessous. Ok, d'accord. Bon bah c'est pas terrible. Bon, tu vas nous montrer ce que tu as pris. Oui. Alors qu'est-ce que tu as pris toi? Alors on va tout sortir. Alors moi j'ai pris un triple cheese, un menu triple cheese avec un grand coca. Regardez, c'est vraiment pas pratique la chaise roulante. On n'a pas demandé de sauce. Oui. Alors c'est pas grave, regardez. Alors ça c'est pour moi le petit cheeseburger. C'est la première fois que je goûte un triple cheese. Le petit menu McFirst. Viens par ici. Et
Cet après-midi, par contre, je prépare des trucs, hein. Pour gagner des trucs. Oh là 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 là, des trucs pour gagner des trucs. A few moments later. Donc oui. Là, on se retrouve, désolé, il y a beaucoup de soleil, là-bas, il y en aura moins. Pour l'épreuve sportive, regardez, on a mis des plots un peu partout là-bas. Donc, l'objectif, ça va être pour Lily Rose de les ramasser pour gagner un cadeau, qui est un vrai cadeau, tout ça. Oui. Donc, j'espère que tu vas réussir l'épreuve. Oui, je vais y arriver. Parce que dans la journée, il n'y a pas qu'une épreuve, tout ça, t'as plusieurs choses à gagner. Oui. Et en plus, t'as hâte de partir parce qu'il y a trop de soleil ici. Ah oui, il y a trop de soleil. Donc, elle doit ramasser tous les plots, un à un, et les mettre sur le côté de son fauteuil avec la pince. Ouais, il y a beaucoup de soleil. Allez, c'est parti, t'es prêt? Attends, parti. Ouais, il y a un temps. Il y a un temps, je compte. C'est quoi le temps? C'est quoi le temps? Je comptais pas le dire, mais il y a un temps. Ok. Allez, c'est parti, une minute. Non, et commence pas à tricher. Elle ramasse déjà les trucs. Allez. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, regardez, le temps est bien démarré. Allez, dépêche-toi. Allez, une minute. Ah, je sais. Oh là, regardez, il y en a jusque là-bas. Allez, vite, tu peux lui prendre les plots qu'elle ramasse. D'accord. Parce que je sais pas si elle va réussir. Allez, vite. Allez, le ramasseur il est pas opérationnel. Allez. Oui, allez, plus que. On est à combien de temps? On est à 41 secondes, regardez. Ah, j'ai jamais arrivé. Vas-y, attends, on le remet, on répare. Vite, arrête, ne t'arrête pas. Avance. Allez, avance. Punaise, là c'est chaud. Ah oui, voilà. Regardez, en plus là-bas il y en a plein à ramasser. Non, mets-le dedans. La TA, 1 minute 12. Voilà, là je peux y arriver. Est-ce que les plots tout là-bas je vais devoir les ramasser? 1 minute 12, 1 minute 20. Allez, dépêche-toi. Allez. Là tu te presses pas, franchement. Si, je me presse, mais c'est dur d'avancer avec. Allez, tiens. Ah ouais, avec la descente c'est un peu compliqué. Allez. Allez. Ouais, bah là franchement je sais pas, t'as mis 2 minutes. Oh, je sais pas si on voit, regardez, 2 minutes. Il y a un piège là. Il y en a plein, ah oui, il y en a plusieurs dans un seul. Avance. Allez, vite. Oh, et le dernier. Le défi. Bon, bah je pense que on avait prévu un très gros cadeau. En fait, on va te faire le petit cadeau, je pense. Non. Top. 2 minutes 18. Alors, bon, peut, à mon avis, elle peut se racheter. T'auras le droit au moyen cadeau. Non, mais on va faire une dernière épreuve là. Ah bah, pour quel est le bon cadeau? Voilà. L'arrivée, c'est ici. Ouais. Elle devra aller en moins de. Allez, 15 secondes. De l'arbre là-bas à ici. Ouais, ici, ouais. Non, 30. Non, mais sans ramasser 20, de plots. Sans ramasser de plots. Allez, 20 secondes. Ok. C'est parti, on est en zone de soleil. Oui. Donc Lily Rose ne voit rien en plus. Non. Chrono de 20 secondes. De toute façon, on entendrait une sonnerie quand ça sera fini. Allez, go. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va. On est à combien de secondes là? Allez, c'est là-bas. On est à 10 secondes, vite. Allez. Encore 7 secondes, encore 7 secondes. Allez. Et comment ça, il est cassé? Allez. Stop. Stop. Oh non. Quel échec. Mais oui, mais le fauteuil t'as cassé. Mais oui, attends, mais le fauteuil il fait comme ça. Tu l'as cassé, on va devoir le réparer. Bon bah t'as échoué Lily Rose. Oui. Malgré tout ça, on va devoir quand même t'offrir le cadeau parce qu'on l'a acheté, donc voilà. Oui. Donc on se donne rendez-vous tout de suite à la maison pour l'offrande. C'est bon, nous sommes rentrés. Oui. Tu vas pouvoir remettre la même tenue que tout à l'heure parce qu'elles étaient changées pour le sport. Oui. Et bah voilà, elle a décidé de faire une petite pause, donc forcément elle a enlevé de son fauteuil. Oui, mais je suis toujours assise. Parce qu'après t'as d'autres choses à faire. Mais avant tout, il y a le cadeau. Bah le cadeau vient pas. En fait il y en a pas, c'est un prank. Hein. T'as perdu donc t'as un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Allez, donne-lui. Qu'est-ce que ça va être le cadeau? Bah elle fait la tête. Oh, une poupée. Mais ce n'est pas qu'une poupée. Une poupée. C'est quoi ça? Bah, c'est un sac plastique. C'est un sac plastique, bah c'était ça le cadeau. C'est bon? Oh génial! Et oui. C'est quoi? Combien? Bah en fait,
fait, c'est le deuxième pull d'Eva Queen. Voilà. Le deuxième pull d'Eva Queen. Elle a eu le premier il y a quelques jours. Est-ce qu'elle l'a mérité Bah non, elle a perdu. Elle a perdu. Donc, tu pourras le mettre uniquement le mois prochain. Ouais, voilà. Oui, voilà. Bon, bah voilà, les amis, on va passer à la suite. Elle a eu son cadeau. On va te laisser te reposer. Et on se dit à tous deux. Suite. A few moments later. C'est parti les amis, vous avez aimé le petit repas McDo, vous avez aimé la piñata, vous allez adorer ce nouveau petit challenge. Alors, bon voilà, tout est adapté à la taille de Lily Rose. Ouais, nous avons des ballons. Sauf que ça va mal tourner, je vous le dis tout de suite. Parce que dans certains de ces ballons, je sais pas, j'ai pas préparé. C'est la personne derrière la caméra qui s'appelle comment? Peppa Pig. Qui a préparé, donc dans certains ballons, il doit y avoir des trucs pas terribles qu'on va se prendre sur la tête, du genre de l'eau, de la farine ou je sais pas quoi. Bon alors, qui commence? Attention, pierre, feuille, ciseaux. Ok. 1, 2, 3, attends. Pierre, feuille, ciseaux. Non, 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Bah c'est toi qui commence. Bah non c'est toi. Ah ok d'accord, ok vas-y. Allez vas-y, allez, bouge, allez. Roule ma poule. Attention. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Oh c'est bon, y'a rien. Y'a air. Y'a rien, y'a rien. Tu dois rester dans ton fauteuil. Oh là là. Vas-y, je te donne le bâton perceur. Ok, non j'ai peur. Mais peur de quoi? Attention. Et faut bien que ce soit au-dessus de ta tête. Ah oui. Faut que ça soit au-dessus de ta tête, Lily Rose. Allez. N'importe quoi. Allez, faire, faire. Mais c'est où? C'est où? Ok, ok, c'est là. En fait, c'est une épine au bout du bâton, hein, Lily Rose. Ah oui. C'est pas magique. Allez, allez. Plus fort. Non mais elle va éclater tous les ballons. Allez. Oh. Oh, c'était. Ouais, t'as eu de la chance, Lily Rose. Ça se restreint, ça se restreint. Allez. Yes. Moi et tiens. Allez c'est parti, quel ballon vais-je sélectionner? Je ne sais pas, je me mets en dessous. Allez c'est parti. Ah, ah. C'est pris la femme. T'as te fait rire. On va voir, c'est à toi. Allez, là. Allez, c'est parti. La pièce de tournage, elle va être encore une fois remplie de trucs, de bêtises. Allez vas-y, garde ton... J'ai pas de truc en dessous. J'ai pas de ballon en dessous, du coup je fais comment? Bah tu vas sur un autre ballon, attends, tu bouges ailleurs. Vas-y. Ok, allez. Bouge. Allez. Allez Lily Rose, attends. Non mais mets-toi en dessous, t'es pas en dessous là. Que je t'aide Lily Rose. Non ça va, allez. Y'a tricherie là. 3, 2, 1. N'importe quoi. 3, 2, 1. Ah, j'ai pris la farine aussi. La farine. Oula, vas-y, j'en ai presque pas ici en moi. Oh bah le fauteuil Et en plus ce soir c'est toi qui cuisines en fauteuil roulant. Bon c'est vrai, il y a déjà de la farine partout, on n'aura pas besoin d'ajouter de la farine. Vas-y, donne le truc. Allez, tiens. Oh punaise, regardez-moi ça. Bon allez, vas-y, à moi. Bon là on a eu chacun la dose hein, donc ouais. Bon. On va faire un dernier ballon pour la route. De toute façon, il y en avait combien de piégés? Je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Lequel? Le rose ou le vert? Le rose, ok. Allez. Attention. 3, 2, 1. Ah, oh, le curry. C'est... Ah, c'est du curry. Ah, c'est du curry, mais pourquoi vous avez mis ça là? Oh non. En plus l'épine elle fonctionne pas, elle est pas du tout perforante l'épine. Elle est toute petite. Allez, le dernier, vas-y. Ouais bah le dernier, bah du coup si elle a moitié des piégés, la moitié pas piégée. Bah, c'est moi qui vais le faire. Qui va faire, vas-y. Ouais bah c'est toi qui les as fait, donc tu sais très bien qu'il y a rien je pense. Ouais, mais elle perfore pas l'épine. C'est même pas une épine, c'est. Je sais même pas ce que c'est en fait. Ah voilà. Y'a rien, y'a air. Voilà. Air. Parti, on va commencer à faire les crêpes. Les petites crêpes, donc on a réuni tous les ingrédients. Lily Rose est toujours en fauteuil roulant, bah forcément pour cette vidéo, elle ne peut pas le quitter. Tu vas même dormir dedans. Il y a la couverture, qui est là, on va juste la poser sur toi et ça sera réglé. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec la farine. Alors t'as préparé quoi? J'ai de la farine, des œufs. De farine. La farine, bon la fameuse farine. Okay. Alors je pense qu'il faut que tu mettes maintenant 100 grammes de
sucre. Ok, alors. Alors, 100 grammes de sucre. La cuisinière. Ah là là, hop, là là là. Hop. Elle, c'est des proportions. C'est au bas mot. C'est. On mélange. Alors. Il faut mettre 4 œufs. Il y a les 4 au moins à l'intérieur. Montre. Oui, il y a les 4. Ok. Allez, alors, c'est parti. Mais où après la coquille? Bah, la coquille, tu la mettras dedans. Mais qu'est-ce que c'est qu'une coquille? Ah, j'ai peur. Ah, non, mais fais pas tomber de la. Allez. Fais pas tomber des. Comment on appelle ça? Des coquilles d'œufs. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est pas des coquilles ça. Il y a des coquilles. Non, c'est pas des coquilles. Et qu'est-ce que c'est qu'une coquille? C'est bon, c'est bon. Le dernier œuf. Allez, oula, oula. Ouf, j'adore mélanger. Non, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. On veut plus qu'il n'y a pas de coquille, c'est bon. Ah là 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 là, regardez-moi cette pâte. Bah on a mis tout, voilà, il en manque un tout petit peu même. Cette pâte onctueuse, cette pâte onctueuse. J'ai envie de la manger, non j'rigole. T'as envie de la manger, allez. Il y a une fissure, attends. Allez, ouais. Oh, on dirait que c'est une piscine. La piscine municipale. C'est pas la première fois que je fais des crêpes parce que des fois j'en fais souvent, voilà, j'en fais souvent, voilà. C'est quoi une crêpe? Vas-y, tourne. Allez, on mélange, on fait. Ah non, elle est trop fine. Non, non, ça va aller. Elle est... Allez, regarde. Elle est trop fine, vite, rajoute. Stop, 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 Lily. Doucement, bien sûr. T'es pas une cuisinière, toi. Non, pas du tout, même. Oh là 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 là. Cette magnifique crêpe. Oh là là là. Elle va être d'une magnificence. Elle va être d'une beauté. Oh, mais non, mais faut en rajouter là. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle va être onctueuse. Elle va être onctueuse. Non mais c'est pas possible ça. Regardez la tronche de nos crêpes là, il y a des protéines. Oh, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai faite, c'est pour elles ça. Sont excellentes. Okay. Eh ben j'espère. J'espère qu'elles ont au moins ça. Hein. J'espère qu'elles ont au moins ça. Oui. Petite tête de crêpe. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. Et ensuite, bah ça sera l'heure de dormir. Et comme on n'a pas envie de descendre le fauteuil et te descendre toi dans ta chambre, tu vas dormir ici. Dans le grenier. Ah ouais. Dans le grenier, avec... Il y a des fantômes dans notre grenier? Non. Bah déjà, il y a Monsieur Mabule qui est là. Il y a le cadre de Monsieur Mabule. Donc hop, bon allez. Là, j'ai déposé Lily Rose dans son lit, on l'a porté, on l'a pas laissé au grenier. Mais demain, quand tu te réveilleras, t'auras enfin le droit de marcher normalement. Oui, j'ai hâte. Parce que t'as vu à quel point c'était compliqué d'avoir... Là, dans le lit, je peux quand même bouger mes jambes. Avec l'épreuve sportive, tout ça. Oui. C'était compliqué. Bon bah voilà, tu pourras jouer normalement, tu pourras tout faire normalement. Ouais. Mais on comprend à quel point c'est compliqué pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Oui. Donc bon courage. Cliquez sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine. Bye bye. Quoi?